Il est midi. Ça qu'a passé en Haïti, à tous côtés sous la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guéon a deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 29 mai 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour tout. Bienvenue dans le troisième sortie journal à Gazette Créole pour ce maintenant. Mais que nous allons développer dans le journal ça. Docteur Garry Conille, il s'est honoré après décision conseil présidentiel l'apprend pour désigner le poste premier ministre en transition. Ensemble, nous allons travailler pour un plus bon demain pour toute petite PIA. Pour toute petite PIA, d'après ça, le dit par rapport avec première réaction, il fait ce compte X, les Twitter. Avant ça, docteur Garry Conille, 58 l'année, retourné dans primature après Tévin fait un court passage sorti septembre 2011 mai 2012 dans la primature sous présidence Michel Martelly en BC hier mardi 28 mai 2024 la conseil présidentiel l'a choisi Garry Conille pour venir premier ministre transition en ben il décision ça prend sur base de consensus bon côté conseil présidentiel là après rencontre individuelle qui était faite avec 5 candidats qui étaient arrêtés sous le décret sous organisation et fonctionnement conseil présidentiel là et puis résolution qui mettait campé présidence tout notre plan avec majorité qualifiée 5 sur 7 dans CPIA finalement publié hier et avant hier lundi dans le journal officiel le moniteur. Il y a plusieurs secteurs qui représentaient dans le conseil présidentiel là en bien qui levé voix pour dénoncer blocage avec et puis tout exiger public. Il y a plusieurs secteurs qui étaient dénoncés blocage en bien publication ça et puis exigé pour ça t'arriver fait rapide vite avant il était nommé premier ministre en forme, ancien premier ministre haïtien, il a lancé un appel pour une cohésion politique et puis encourager tout le monde pour porter contribution dans l'idée pour réussir le conseil présidentiel là. Forme n'a dit qu'elle sauté par rapport avec commencement difficile CPIA d'après ancien premier ministre Evans Paul. Forme ancien premier ministre a mandé autorités haïtiennes pour profiter de déploiement mission multinationale appui à sécurité pour renforcer PNH là avec force l'armée d'Haïti et puis établir conseil national sécurité avec défense là mais forme mandé tout pour mettre campé agence nationale intelligence là ANI syndicat police nationale SPNH 17 recommandé pour déploiement force multinationale la fête dans un premier temps pour renforcer PNH là et puis en brillant force la médaille haïtienne dans l'idée pour une solution qui a duré dans crise en sécurité porte-parole syndicat Gary Jean-Baptiste l'enseignant à l'état tout sous corruption qui gagne en dedans la police dans le pays Kenya qui a dirigé mission si là compagnie Air Transat annulé tout vol lié sous Port-au-Prince Montréal jusqu'à 28 août cabinet là ben il prend décision ça à cause de la situation actuelle la sécurité pays qui vient plus mal côté état urgence sans sécurité a toujours Kembe de gagner que Majul qui était qui en prison le fait était accusé là comme était touillé maman petite li en ben il mourir lui même tout dans la nuit 27 mai 2024 dans la prison civile dans Okaï côté il était côté le depuis environ une semaine pas gagné et trop informations qui rivaient sorti sous cause la mort prisonnier si là arrêtez moi je pour développement point ça yo présente au journal ça gagné Benjo Pierre qui fait manœuvre technique et puis quoi c'est Léon Cœur civil bonsoir Benjo bonsoir tout le monde. Et l'autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Ben, gagné docteur Garry Conille qui réagit et rapide vite pour le dire, sont-ils honorés par rapport avec la décision conseil présidentiel la prend pour désigner le poste premier ministre en transition. Ensemble, nous prenons le travail pour un plus bon demain pour tout un petit pays d'après ça le déclaré par la première réaction li sur compte X les Twitter avant ça. Docteur Garry Conille, 58 ans, retourné dans la primature après le téfine Premier ministre déjà, sorti septembre 2011, arrivé mai 2012, sous présidence Michel Martelly. Ben, conseil présidentiel là, c'est hier, mardi 28 mai 2024, là, il choisit Garry Conille pour venir premier ministre transition sous base d'un consensus après rencontre individuelle qui était faite avec 5 candidats qui étaient arrêtés sous l'ISLA. Ben, après désignation Garry Conille comme premier ministre, réaction par printemps pour tomber, gagné ancien ministre justice, maître Camille Leblanc, qui salue désignation ça, il demandait tout le monde pour mettre tête ensemble dans l'idée, ben, pour transition ça, capable d'arriver à accomplir mission, l'argent, l'été prévoir ça, en côté, maître Camille Leblanc. Parce qu'il y avait des gens de qualité qui étaient dans leur panel, dans leur groupe, etc. Maintenant, je crois que c'était mon choix. Monsieur Conille fait partie des personnes que je pense qui peuvent jouer un rôle extrêmement important, qui est capable d'aider le pays à avancer, parce que il y a encore, je disais que n'est pas normal qu'après un mois, le conseil présidentiel a continué à fonctionner avec le gouvernement du chaos de M. Ariel Henry. À moins de penser que c'est M. Ariel Henry qui a le problème, non. Mais comme il était bon gouvernement avec lui, l'échec, c'est lui-même seulement qui porte le poids de l'échec. Donc, un mois après, on ne pouvait pas comprendre que le conseil continue à renouveler même équipe ça, alors que le chaos est installé, la famine guette le pays et beaucoup de familles. Donc, on ne pouvait pas comprendre ça. Maintenant, ils ont franchi un pas. Donc, parce que c'est la formule va permettre d'avancer plus vite. Et le conseil, il est entré dans ce schéma-là depuis le mois de mars. Oubliez ça. Et donc, depuis le mois de mars, ou un processus, etc., là, un mois après, on péter ses morts, ou pas de jambes d'ingénierie, soit qu'on va le faire. Donc, pour moi-même, c'était montrer que c'est un problème. Maintenant que le franchit pas ça, on souhaitait que, parce que moi-même, je vous dis, moi, pas pour faire opposition à un barrage de transition. Et ma position était, il faut une formule qui marche, et comme on a perdu près de 32 mois avec M. Ariel, perdre encore d'autres mois, alors que le pays s'est enfoncé dans le chaos. Donc, nous avons comme une qui marchait, nous avons proposé une déclaration. Maintenant qu'il a avancé après conseil présidentiel là, tout le souhait que nous avons demandé au processus, c'est-à-dire montrer qu'il a avancé, montrer qu'il a travaillé ensemble, montrer que malgré l'intérêt multiples qui a animé chaque venu d'un parti politique, d'un groupe, mais ils sont capables de chiter ensemble pour le travail, pour être capables d'obtenir des solutions. Si on a fait ça, je suis très surpris et positivement. Et maintenant que nous ne font pas, après tout le temps ça, après un mois d'installation, après 3 mois d'attente, ils ne font pas dans la bonne direction, nous mettons un premier ministre, nous souhaitons que le premier ministre pour choisir un gouvernement d'action, parce que ce n'est pas le moment pour prendre des politiciens qui n'ont pas aucune expérience de l'État. Dans l'État que nous sommes là, il faut des gens ayant une expérience de l'État, capables très rapidement d'être opérationnels, ou pas aller informer personne, nous n'avons pas de temps pour aller informer personne dans la gestion de la chose publique. Il faut une équipe vraiment qui accompagne le Premier ministre, une équipe qui est opérationnelle automatiquement. C'est ça, M. Théo, que l'avance peut pas niveau ça. Son premier pas, il faut que le premier pas, ça, rapidement, lui fait d'autres pas, dans mettre en place le gouvernement, ça, pour que la réalité gang ça, qui rend le pays impossible, là, rapidement rétablir le public, remettre l'économie en marche pour le Sénat, empêcher une catastrophe, la famine, et ça, c'est demandé pour que le pays a remetté au travail immédiatement. Donc, moi, je leur souhaite effectivement un bon travail, que je soutienne nous, que je montre que nous avons réussi la transition. Voilà, en tant que déclaration, ancien ministre de Justice, maître Camille Leblanc, gain directeur national AC qui encourageait mon conseil présidentiel, mais avant ça, il salue choix, docteur Garry Conille comme nouveau premier ministre. Après, il a assez encouragé mon conseil présidentiel transition, il y a même nouveau premier ministre là, pour mettre campé rapide vite, un gouvernement consensus, cap travail, un plan qui définit sécurité, apaisement social, relance économique, avec élection générale, consato a cédé la pas veiller tout action qui pral mener yo dans l'idée pour remettre pays sur rail démocratique. En côté déclaration dans sens sa porte-parole ACA Leslie Alexandre. Dans notre alliance pour une société sans exclusion AC, nous saluer et féliciter membres conseil présidentiel pour choix au fait sous docteur Garry Conille. Et directoire national ACA encourager membres conseil présidentiel transition pour chita avec Premier ministre choisi pour monter pressé un gouvernement consensus. Un gouvernement inclusif qui invitait tout acteur, en plus de acteurs qui signé accord qui a accouché conseil présidentiel là pour faire que problème yo insécurité a grand groupe gain dans pays a relance économique et mettez en place toute structure cap mener nous dans élection générale. Assez insisté pour exhorter et conseil présidentiel là et gouvernement que élection ça doit libre, yo doit indépendante, yo doit faire sans parti pris pour qu'à mettre pays à sous rail démocratique. Nous croyons que c'est un bon pas, mais c'est pas un chèque en blanc assez à accorder ni à conseil présidentiel là, ni à premier ministre Garry Conille. Et c'est pour ça assez à prêter véatif pour que toute décision qu'a prend yo aller dans le sens mise en place qui pour mener nous dans élection libre, honnête, transparente, démocratique pour que nous ayons un leadership élu qui prend tête pays dans le mois prochain. Donc on a gagné 5 candidats qui étaient présélectionnés sur une liste, finalement ils ont choisi Garry Conille. Est-ce que d'après nous-mêmes, par rapport à la situation nous avons vécu dans le pays, c'est le meilleur choix? C'est le conseil présidentiel transition qui doit choisir et c'est eux-mêmes seuls selon l'accord là. Donc assez constaté que choix porté sous citoyen Garry Conille. Et assez dans notre là, nous prenons temps pour nous féliciter, apprécier, contribution que en l'autre compatriote qui te voulait servir pays. Ça montre nous que pays a qu'à compter sur un pile petite fille et petite garçon. Donc nous prenons acte que le conseil présidentiel a choisi PM Garry Conille. N'a pas veillé est-ce que le gouvernement a pété en place à son gouvernement consensus et n'a pas veillé tout qui action gouvernement a pas posé dans la logique, dans l'idée pour mener nous dans bon genre élection pour mettre le pays sur le rail démocratique. Je vais rappeler pour vous, Vision 2000, que aujourd'hui, nous avons une situation difficile. Nous n'avons pas d'élu dans le Palais national, nous n'avons pas de CASEC, nous n'avons pas de magistrats, nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de sénateurs. Même le pouvoir judiciaire, lui-même, il a une situation de fait, côté que le président de la Cour de cassation, qui vient président CSPJA, il n'est pas nommé par arrêté présidentiel. Donc, nous avons une situation extrêmement difficile qui demande pour nous aller vite, mais pour nous aller bien. Voilà, on tape côté déclaration Leslie Alexandre qui c'est porte-parole parti et alliance pour une société sans exclusion et Leslie Alexandre gagné diplomate Pierre-Antoine Louis en premièrement qui dénonçait et choix Garry Conille en côté lui-même il dit le point distance avec mais malgré ça il dit il estimé ou bien il souhaitait Garry Conille pour gagner marge de manœuvre pour capable remplir mission dans l'idée rétablir la paix et la sécurité dans le pays, diplomate Pierre-Antoine Louis. Ça m'a retenu, c'est que nous songeons, il était fait pratiquement 3 mois et demi comme Premier ministre. D'Arel pas même les gérer les affaires courantes, parce qu'il était tellement vexé par rapport à la relation qu'il a gagnée avec le président Martelly. Il quittait le pays bien avant, il dit pas gérer les affaires courantes. Moi retenu, donc pour moi, si le conseil là, et Allah, sélectionné ou bien encore nommé ou plébiscité, semble bagalaye Garry Conille, il n'y a pas de besoin de faire pays à perdu plus d'un mois dans un feuilleton, alors que c'est ça qu'on a intention de faire, alors que, gon perception, c'est aussi en Haïti que tout ça fait, faut communauté internationale là d'accord. Donc, moi pensais que même Jean avec Gérard Latortue, il y a 20 ans, nous pensons que bon, mon communauté internationale l'a préféré parce que lycée un fonctionnaire international, ils ont sélectionné, ils ont fait une mascarade de processus, ils font pile monde, ils font pile tintin, ce faisant, ils ont fait peuple haïtien en un paquet de temps, et puis ils ont fait, ils ont plébiscité moun yo te vle a. Malheureusement, moun n'a pas connu pays a, qui a longtemps quitté pays a, depuis le de quitter primature là, personne n'a pas connu si jamais pile dans pays a. Il n'a pas rempli les conditions requises, par exemple, pour le passer 5 ans de résidence dans le pays, pour le payer un pôle sur le revenu pendant 5 années, sans que le pavine fasse une fois, personne ne compte sur qui base l'IFEL, sur qui base le relevé de salaire. Donc, pour moi-même, premier gros responsabilité que le conseil apprend, il fait mal, il dupe le peuple haïtien. Et si on fait, parce que vous pensez que le docteur et contrairement à Ariel Henry va le faire, docteur Ariel Henry va faire un meilleur boulot, parce que je pense que le travail dans la communauté internationale, je vais rappeler Mounio, moi-même qui travaille dans la communauté internationale de 1998 à 2009, plus temps fait comme diplomate, que pas jamais un fonctionnaire international qui développe un pays. Ils dépensent des milliards de dollars, ils échouent sur toute la ligne, pays ont une plus pauvre, pays comme Haïti, pays ont une plus désaccès, institutions pratiquement substituées par un cabal d'organisation internationale. Donc, moi questionner le choix de Garry Conille, aussi bien dans le fond que dans la forme, que le PACA suffit que tout simplement que mon nom soit haïtien, le passeport haïtien, le déformé en Haïti. Voilà, t'as côté déclaration diplomate Pierre-Antoine Louis, ancien député acquéant Jean-Robert Bossé, qui estimait Garry Conille en bien rivé premier ministre à cause des supports communauté internationale là, et plutôt l'été et anti-Jean-Pi bien placé par rapport avec l'autre monde qui était sous liste 5 ans avec là, toujours d'après Jean-Robert Bossé, qui dit le souhaiter, en bien Garry Conille rivé en bien et porter solution par rapport avec crise, n'a vivre en d'un pays là, en côté Jean-Robert Bossé. Le fait que Conille, premier ministre aujourd'hui, moi capable de dire qu'il y a deux facteurs qui jouent en faveur de Conille. Premièrement, c'est l'appui indéfectible toujours que l'international Bali comme fonctionnaire international, ancien chef de cabinet, donc ancien président américain. Mais deuxième élément qui jouait en faveur de Conille, en plus de support très clair de l'appui américain, ou pas de l'international, hein, disons le très clair de l'américain, de l'ambassade américaine ou du département d'État ou de la Maison-Blanche, c'est le fait que on t'a gagné un ensemble de candidats pour le poste de Premier ministre qui ont toutes des très peu crédibles. C'est un ensemble de monde, de loin ou de près, qui participaient dans sa nouille aujourd'hui en tant que ministre ou bien ex-baconnet directeur général, j'ai tout. Donc, moun sa yo, yo pas de fait poids dans la balance. On a l'impression que moun de bien yo était très peu intéressé à ça que Cabral fait là. À part de Conille, on connaît comme un technocrate, etc., qui travaille pour des organisations internationales. L'autre, ok, est-ce que vous êtes compétent? Moi, pas mettre en doute compétence certaine là-dedans, mais en fait, du point de vue de crédibilité, moi, penser que pays tape très mal accepter que certains là-dedans ont une premier ministre. Donc, ça a joué en faveur de Conille. Ça veut dire estimer que et sous 5 ans, candidat qui était sur l'Islande, c'est plus bon choix qui vous fait là. Pas dit c'est plus bon choix, moi, j'ai dit, m'a parlé de crédibilité et me parlé tout de Conille, qui imposé par l'international, qui gagnait environ 13 années à vivre à l'étranger. C'est ça, nous, il y a une dépendance totale là, ou son syndrome. Parce que les Américains ont fait là tout moment, mais pour qui ça? Parce que nous sommes un paquet de tiradoteurs, hein, un paquet de pas sérieux. Donc, conseil là, lui-même, majoritairement, il n'est pas crédible. Moins d'une fois pour chercher un pile pour joindre 2 monnaies et demi là-dedans. Donc ça veut dire, le fait que Conille rentre là, c'est parce que nous sommes bons petits radoteurs. Et moi, quoi, Conille, le fait que le gagne l'appui des Américains, c'est peut-être ça qui est capable d'assurer une survie à conseil présidentiel là. Et à la faveur de tout ça, nous sommes expliqués là, Garry Conille arrivé. Donc maintenant, c'est attendons voir, c'est wait and see. Nous espérons, dans tout ça qui passe là-haut, de dépendance que nous la donnons, nous capables de sortir peut-être à moitié de l'instabilité, de l'insécurité que nous y aujourd'hui. Donc, ce souhait pas moins, parce que là, côté nous y là, nous pas capables de rester là encore. Nous pas bon côté nous y là. Tout le monde décapitalisé dans le pays. Tout le monde vient pauvre en Haïti aujourd'hui. Autant côté déclaration ancien député acquéant Jean-Robert Bossé. Il y a un forme ancien premier ministre haïtien qui lance un appel à cohésion, tête ensemble, et puis encourager tout le monde pour porter contribution dans l'idée pour réussir le conseil présidentiel là, forme qui dit le Gengo qui a sauté par rapport avec un commencement difficile, CPA espéré, mais il y a un calendrier qui réalise et puis un règlement, fonctionnement administratif qui va le permettre, surtout ça paye à faire expérience avec la bien accompli mission, les dates, ben et travailler pour arriver Jean à Côte-Ouaville là prévoir ça et puis décret 12 avril 2024 là toujours d'après ancien premier ministre Evans Paul qui dit il souhaitait courage avec habilité avec premier ministre transition par rapport avec crise ça pays là donne là Evans Paul.